Qu'est-ce qui se passe? Oh, merci Lulia! Merci beaucoup pour ton sub avec ton Twitch Prime, c'est super gentil. Merci beaucoup. N'hésite pas donc à coupler, lier, voilà, je ne retrouve pas le bon terme. À lier ton compte Twitch à ton compte Discord pour avoir plein de petits bonus comme des vidéos d'avance, des petites choses comme ça, voilà. Et profiter des petits screens, des petits trucs, voilà. Coucou Berive. Donc, la fois passée, qu'est-ce qui nous était arrivé? La fois passée, nous avions réussi à épier plein de sims. Et on avait pu avoir toutes les preuves qu'il nous fallait pour monter le dossier afin d'avoir la clé d'accès au niveau inférieur. Donc, on avait cette clé d'accès, je pense. Où est-ce qu'elle est? Enregistrement audio, pièce d'amélioration. Je regarde un petit peu où elle est cette clé. Enfin, j'ai plein de bordel. Ah, voilà! Elle est là. Carte d'accès au laboratoire secret. Ah, qu'est-ce qu'on a? Je voulais des réductions. Non, ça ira, vu le fric qu'elle a. Celle-là, c'est pas besoin de réduc. Car, pas besoin. Voilà, c'est bon. Allez, hop, on s'en fout. Le Black Friday, c'est bon, quoi. Bon, ici. T'as fait assez dodo. Allez, hop. J'ai l'impression que vous n'avez plus besoin de mes services aujourd'hui. Ah oui, ok, d'accord. Prendre des restes. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah oui, bah écoute, oui, tu as raison, Céleste va manger au soleil, il fait super beau. Tu es dans un endroit où il fait chaud tout le temps. Donc voilà. D'ailleurs, en parlant de temps ici, comment ça se passe le temps là? Ah ouais, il va faire caniculaire tout le long en fait. Bon, c'est pas grave. Oh, les factures, 7000 balles pour de factures pour un petit machin comme ça. Non mais tu déconnes. N'importe quoi. Merci beaucoup, Yass, c'est très gentil ce que tu viens de dire, ça me touche beaucoup. Je me souviens que passer, du coup, bon live. Ok, des bisous Stéphie, merci d'être passé en tout cas. Bon. On va quand même aller faire après avec elle un petit pipi et hop, utiliser et prendre une douche et on va payer nos factures. Qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce que t'as maté la baraque toi? T'as une tonne de ces paires de loches, mademoiselle. On croirait moi en pleine poussée de lait, quoi. Tant d'heures, j'ai rigolé parce que, notamment comme j'ai repris le boulot, ben, j'allais de plus ma fille, donc j'ai droit à une demi-heure de pause. Ouais, j'ai droit à une demi-heure de pause allaitement, en fait. En plus de ma pause normale du boulot. Et j'ai ma collègue qui regarde mes seins, elle me dit, ils ont pas un petit peu... Je dis, oui, c'est possible. Donc. Ah oui, ok, d'accord. Bah, merci, Bérive, d'avoir mis le lien vers les dons. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui désirent, n'hésitez pas à faire des dons si vous en avez envie, si vous avez les moyens, voilà, ne vous privez pas non plus de manger correctement, voilà. Vous voyez le petit National Goal en dessous, vous voyez pourquoi c'est, donc c'est encore un upgrade de PC, voilà, pour qu'on fasse toujours des lives de encore meilleure qualité, et aussi parce que j'aimerais bien acquérir une tablette graphique, pas une carte graphique, une tablette graphique, donc je peux faire des dessins, des lives dessins, ça pourrait être cool. Donc voilà, et pas que. Donc n'hésitez pas à faire des dons. Merci. Maintenant, si jamais, voilà, pour ceux qui veulent mater Utip, hop. Merci beaucoup, Berry, c'est super gentil. Hop, voilà, pour ceux qui veulent. Regardez une petite pub de 5 secondes, hein, voilà. 30 secondes de votre temps, vous regardez une petite pub, ça me donne 5 cents. Et si vous faites ça, au moins une fois que vous regardez une vidéo, bah voilà, franchement, ça pourra être vraiment bien. Vraiment très très cool. Donc, ouais, prends peut-être ta douche quand même, hein. Allez, prends une douche, détends-toi. Par contre, elle n'a pas un divertissement super haut. Je pense que je vais la faire un petit peu jouer un petit peu au jeu. Ça doit un petit peu la détendre parce qu'elle m'a l'air assez tendue. Voilà, hop. Qu'elle se tende un petit peu au jeu vidéo. Oh là, elle sera bien là. Oh là, on la met bien notre Céleste là. Et donc on va aller enquêter sur place, j'espère qu'on n'aura rien, j'espère qu'on va pas devenir aussi taré que les autres Sims là. Donc. Hop, on paye les factures, comme ça sera fait. Et on va directement
Hop, donc. Allez. On y va toute seule. On va pas prendre quelqu'un avec nous et risquer sa vie. Ça serait peut-être pas utile. Peut-être payer. Oui, voilà. Merci, Bérive. Hop, donc voilà le laboratoire secret. Oh là là! Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Enfin, non, peut-être que certains d'entre vous savent déjà, mais bon, voilà. Salut Élise. Voilà, je sais pas du tout ce qu'on va y trouver. Enfin, si j'ai une petite idée. J'ai voulu faire un don, mais j'ai d'abord regardé mon compte et on va regarder quelques pubs. Ok, bah écoute, je t'en prie, ça arrive. Voilà, vous pouvez regarder, je crois, 4-5 pubs. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc, imaginez, vous regardez 4-5 pubs par jour. Ça vous fait 20 cents. Comptez sur ça tous les jours. En fin de semaine, ce que ça fait. Ça fait un vrai don. Par contre, ce que je vais faire. Coucou Noah! Je vais regarder si j'ai pas des musiques plus. J'ai pas des musiques plus épiques. Attendez, est-ce que j'ai pas des musiques plus épiques? Ou un peu agent secret, genre, vous voyez. Autant se mettre dans l'ambiance. Attendez, est-ce que j'ai mis la pause à mon jeu? J'ai pas mis la pause à mon jeu, bien sûr, parce que je suis une grosse nouille. Ou bien, est-ce qu'on profiterait pas juste dans l'ambiance du jeu? On va profiter de l'avance du jeu comme ça. Ça fait longtemps, mais oui, Noah! Ça va très bien, Elise, je te remercie. Donc, je sais pas si le jeu va assez fort. Oui, quelqu'un m'a dit dans la vidéo précédente, enfin dans la rediff précédente, que le jeu n'allait pas assez fort, j'étais un petit peu plus fort. Voilà. Je peux me téléporter ici? Ah oui, parce que oui, c'est vrai, elle a le. Oui, juste, elle a la compétence. Allez, je vais vous montrer parce que je tombe plus sur le nom. Bien-être à ce niveau-là, donc au niveau 7, donc du coup on peut voilà. Donc utilise la carte d'accès. Qu'est-ce que ça va faire? Attendez, je vais juste faire ça juste pour la miniature. Excusez-moi, je me permets, hein, juste pour la miniature. Voilà, hop. Je vais faire des petites photos comme ça juste. En mode. What? Comme la tête qu'elle fait. What? Qu'est-ce qu'elle a respiré? Elle a toussé. Flip sur 20. La récolte va très bien, je te remercie Elise. En vrai, je suis cette vidéo, mais généralement là, je ne suis pas là pour les lives. Bah écoute, non, bah voilà, moi tu vois une vidéo en live. donc, tu la vois alors pour la rediff du coup. Bizarrement, j'ai pas envie d'aller là. Est-ce qu'on dirait un truc de décontamination, mais. Oui, la porte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez, on a des trucs ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ce merdier? C'est quoi ces machins? Oh, ça peut faire une beau screenshot. Qu'est-ce que c'est que ça au bout là? Attendez, il y a un truc là. J'avais vu en fait live de crime, j'avais vu qu'il y avait un truc, un genre de monstre, mais je n'étais pas sûre de ce que j'avais vu pour tout vous dire. Enfin, bon, je vais pas en parler plus parce que d'un, je risque de vous spoiler, et de deux, je suis pas sûre de ce que j'ai vu, donc voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Nécessite 15 amas de sport. Un scanner à infection, il permet de trouver des amas de sport. Ok, d'accord. Et ici. Ok. Bon, bah. On est venu pour rien, du coup. Mais déjà, ça. C'est tellement douteux. Regardez ça. Je vais faire une petite photo. C'est tellement douteux. Bon. On va aller au truc, hein, du coup. Donc ils ont dit quoi? Au bar, c'est ça? Au bar local, ok. Hop.
aller, on va aller 100 personnes et on va aller au bar local voir s'il n'y a pas des. C'est quoi des amas de sport? Je pense que des spores, écrits comme ça, ce sont des trucs qui volent en fait, des petites particules qui viennent pas de créatures, mais de plantes en fait, qui volent dans l'air. Sur les mêmes écrans que les pièces déjà faites, tu peux même en avoir chez toi. Ouais, mais bon. Je crois que j'ai dégoûté de le rater. Maintenant, voilà, si vous voulez, si vous désirez vous tenir au courant des lives, bah, je vous rappelle qu'il y a tous mes réseaux sociaux. La fleur commence. En quittant le laboratoire secret, vous ne pouvez pas vous empêcher de remarquer que le ciel a pris une couleur bizarre. Quelque chose a changé à Strangerville et cela n'augure rien de bon. Ou cette porte au laboratoire d'avoir libéré un genre de toxine dans l'air. Vous devez trouver un moyen de vous protéger des spores toxiques. Le laboratoire a essayé et essayer d'en parler aux gens en ville pour voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous aider. Sérieux? Ok. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Ah là, il y a un militaire. Palais de Strangerville. Ils sont sur des laboratoires. Ah oui, regardez, il y a des petits trucs qui volent. Sûr que je dois utiliser mon scanner d'infection pour trouver les amas de spores, analyser le laboratoire. Bah écoute, mais tu m'en donnes un. Mais tu m'en donnes un. Viens là. Et mon pote. Je viens de recevoir ce nouveau scanner à infection, il est génial, il sert à. Enfin, je veux dire, ce sont des informations secrètes, mais si vous parvenez à me convaincre, je pourrais peut-être vous en donner un. Est-ce qu'on n'était pas potes avec elle? Oh, attendez, on avait une mythe avec qui on était potes. Attendez. Elle est où ce militaire à la con? Yay, yeah, merci pour le follow! Et bienvenue à G Black Rosen, je crois que c'est ça. Non, non, j'ai pas vu le follow. Personne qui m'a follow. Déclare-toi dans le chat parce que je ne te vois pas affiché sur mon. Ah si, Papuche TV. Merci beaucoup Papuche TV. Bienvenue à toi. Donc les Sims de Strangerville ont heureusement du mal à garder les infos secrètes. Oui, je vois, je vois. Nathan qui s'en va? Oh, bisous Nathan. Merci d'être venu Nathan. Bon. On va essayer de parler avec elle. Ouais, non, jamais parlé avec elle. Ouais, bah écoute, toi, je vais essayer de te convaincre, écoute. C'est dur pour obtenir un scanner. Ok, allez, allez, hop. Vas-y, Céleste. Montre-lui tes boobs. Fais. Tu me donnes un truc pour scanner les spores, s'il te plaît. Et on pourra aller faire du sport si tu veux. N'importe quoi. C'est horrible ce que je viens de dire, en fait. Je mérite d'être brûlée vive. Tu m'en donnes un? Si je te file du fric. Tenez, le gouvernement en a plein. Il m'en a filé un. Yes, il m'en a filé un. Il est où ce truc-là? C'est quoi? Scanner à infection. Ok. Bon bah écoutez, on va directement retourner dans. Ah oui, mais non. Donc il disait qu'on devait s'en protéger, c'est ça? Excusez-moi. Non, je veux plus afficher. Oui, non, c'était sur l'écran, paf, comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un mec avec une passoire sur le coin de la tronche, là? Ah, c'est pas elle, notre pote? Parce que je me rappelle qu'on avait une fille, une pote, une fille qui était pote avec nous et qui. Ouais, c'était elle. Pose des questions sur les spores de laboratoire, voilà. J'essaye, hein. Les gaufriers demandent de passer du temps ensemble. Enquête sur Geneville, pareil, ouais, il y a juste ça? Bon. Les mecs avec les passoires sur la tête, où est-ce qu'ils sont?
Il y en avait tout le temps un là. Ouais, voilà, il y en a tout le temps un là. Ok. Pas de Strangerville. Est-ce que tu peux peut-être me montrer un truc? Ce Grenoble que Céleste s'est pris. Oui, j'avoue, Adeline, complètement. En même temps, si ça marchait toujours, ce serait pas drôle. J'ai une combinaison. J'ai une combinaison de protection qui peut vous protéger dans tous ces sports, mais il manque filtre respirateur. Je parie qu'elle s'effectue pour vous en fabriquer un. Elle m'en a filé un. Achète des curiosités. Allez, vas-y, achète-moi des trucs. Enfin, vends-moi des trucs. Donc, truc cyclope, mascotte du carnaval, loufoque, génial, éminé, grave, fruit bizarre, lampe à lave. Je vois pas de combinaison. À moins qu'elle me l'ait filé. T'as pas envie de me filer une combinaison? J'aimerais ne pas être complètement taré là. S'il te plaît. J'ai quelques combinaisons de protection dans mon inventaire secret. Je doute qu'elles soient très utiles sans filtre à sport. Un inventaire secret, ok, d'accord. Acheter des vêtements, voilà. Acheter un chapeau. Mais non, j'ai pas envie d'acheter ça. Plus de choix. Inventaire secret. Acheter une combinaison de protection, voilà. Par contre, il y a un autre truc qu'on peut acheter. Je sais pas si vous avez vu. Yes, j'ai la combinaison. Voilà, la combi. Donc, c'est quoi? À complète. Le système de filtration de cette combinaison ne suffit pas à filtrer les sports toxiques. Posez des questions sur les sports des scientifiques afin. Ok, d'accord. On va faire ça. On va faire ça. Est-ce qu'on a ici des scientifiques? Ah oui, je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais ce qu'on va faire. On va inviter machin chez nous là. Parce qu'il y avait machine là qui était. On avait une pote qui était scientifique là. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle. Invite à son sauteur actuel, allez. Vous êtes tout calme aujourd'hui, dis donc, les amis. N'hésitez pas à partager le live d'ailleurs, hein, si ça vous dit. Voilà. Je partage un petit peu partout. Sur Twitter, sur Facebook. Et Alexia qui s'est pris un petit niveau. Et Nilopa aussi. Et Utsari aussi, GG à vous. Bon. Est-ce que je vais finir? Nickel. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce que notre petite Léa abonnée? Où est-ce qu'elle est? Oh, regardez! Les plantes se sont ouvertes! Ce moment où tu te dis, je pense que j'ai fait une connerie. Avec quoi elle est où? C'est pas elle, non, c'est pas elle. Une soirée ours, on s'en fout. Moi, je veux juste parler avec, avec Léa. Ramène tes fesses, Léa. L'abonné va arriver. Bah écoute, super, bah, viens. Ben, elle, je crois qu'elle en a trop pris, elle. Ah, voilà. Voilà, voilà. Toi. Toi, t'es ma pote. Toi, t'es ma pote. Toi, t'es ma pote. Allez. Coucou. J'ai les matériaux pour créer un filtre à sport, mais je n'ai pas pu analyser sans amas. Ok. Si je vais scanner.
qu'on a quelques trucs ici. What? Oh, c'est ouf! Oh, c'est ouf! J'ai dit, dis-toi que toi, t'es ma pote, on pourrait croire qu'elle est beurrée en mode je vous aime tous. Oui, complètement. Bon, j'ai pas de notif. Écoutez, on va directement retourner au truc. On est de nuit, mais. Fuck, on y va. On y va sans elle, par contre. J'ai pas envie de la mettre en danger. Sylvie porte bien son. Bah écoute, oui, hein, c'était le. Je pense que c'était le but. Ouais, c'était complètement le but. D'où le fait le petit jeu de mots dans le titre de la série, en fait, parce qu'en anglais, je crois que si je me trompe pas. Quand on dit oui, par exemple, welcome, c'est welcome to. Je prends l'exemple avec Londres, London, donc c'est welcome to London et pas welcome in London. C'est juste que. Ça peut faire in. Donc Strangerville, une ville étrange. Welcome in Strangerville, donc bienvenue dans une ville étrange. Enfin, je sais pas si vous voyez. Enfin, peut-être que ceux qui connaissent l'anglais vont comprendre le jeu de mots. Je pense. Donc. On va pas chipoter, on va carrément se téléporter ici. Voilà, hop. Ah, elle est magique, hein, Céleste. Hein. Ça s'appelle la classe, les amis. Voilà, hop. Ah mince, non, je peux pas avoir accès parce que... Ah mince, oh, il faut que j'ouvre la... Il faut que je rouvre la porte. Ah, c'est mal foutu. On peut pas, on doit pas aller au labo de nuit. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout si on peut aller au labo de nuit ou pas. Donc ça serait un petit peu à voir. Écoute. Peut-être sauvegarder quand même. Un coup avant. Parce que là j'ai un peu peur. Je vous jure, j'ai peur. Ouh, là, il y a du peuple. Je vais aller ici. Je vais scanner ici. Hop. Ouf. Qu'est-ce qu'il y a ? Pleurer. La mère appelle, je dois répondre. Ok. Il y en avait sûrement par terre tout à l'heure qu'on n'a pas vu. Imagine si c'est comme ça à vie, mais ouais. J'ai pas fait de screen, tiens, d'ailleurs. J'y pense. C'est pas plus mal, peut-être. Parce que je crois que ça me fait trop de la peine de ramasser l'aise comme ça. Oh, la poisse, mais complètement ma papiche. Bon. On va rentrer chez nous, il est 1h du matin. Et temps de rentrer, ça a sûrement 2h. Bon, là, on a quelques petits amas de sport déjà. On en a 5. On va rentrer chez nous. Hmm. On a assez fait de bêtises comme ça. c'est un petit peu choquant de voir ma petite Céleste en mode... Ça fait un peu flipper quand même. Ça fait un peu flipper. Bon. Rip Céleste, merci pour ton clip, Amos. D'ailleurs, si vous faites des clips, n'hésitez pas à les mettre sur le Discord, hein, qu'on puisse un peu... Qu'on puisse les regarder et les retrouver plus facilement à loisir, ça peut être cool. Alors souvent, moi je les regarde, je me dis, ah oh, tiens, c'est vrai que c'était cool ce moment-là dans le live. Ça m'arrive souvent de le faire.
Bon. Donc, en gros, on a trouvé les fameux amas qu'il nous fallait. Bien, elle a repris ses amas. Oui, sa démarche de diva. Ouais, c'est vrai, j'avoue, Noah. Bon, elle a repris ses esprits. Donc, ça, c'est très bien. Je suis contente. Donc, à mon avis, on va lui faire faire un petit dodo. Un peu s'occuper d'elle. Comment est-ce qu'elle se sent? Je vous promets, j'ai pas mis de mode de triche. Je vous promets. Enfin, s'il y a un mode qui me permet de tricher, mais je ne l'ai pas utilisé. Et si vous l'aviez vu, enfin, si j'avais l'avais été, vous l'auriez vu. Et voilà, Adeline. Adeline, elle a tout compris. Oh là là. Bon. On va rentrer chez nous à l'intérieur. De pas trop respirer ce merdier là qui flotte dans l'air. Ouais, là chez nous on est bien là. Ah, bien que non, il y en a dans la maison, regardez. Des petites. Des petites. Je flotte dans l'air. Voilà. Oui, mais une agence secret sexy. J'avoue. J'avoue, Noël. Complètement. Complètement. Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous du coup? Bah écoutez. C'est très bon combat. Ça grimpe quoi? Ouais, bricolage. Ça grimpe le bricolage? Ah non, non, c'est le truc. Oui, non, je pensais qu'il y avait une tuile dans le potage. Ok, le fitness. Bah, écoutez, les gars, j'ai pas le temps là pour le moment là, avec vos trucs d'archéologue là. Hop, allez, on va continuer notre entraînement en combat. En 15 minutes, sa décision fatale, regarder le live de Dany ou le tien. Eh ben écoute, Bérive, moi dans 15 minutes, je finis pour, plus ou moins vers 45. Donc voilà. Je risque de déborder de 10 petites minutes le live de Dany et de toute façon, je vais sûrement le host après. Enfin, peut-être pas lui, je verrai un peu qui est en live à ce moment-là. Bon. Un peu plus vite, allez. On se fait un petit point là, ça pourrait être bien un petit point en plus là. Allez. Je pense que ça s'use pas aussi vite que d'habitude. Allez, Miss. Je vais inviter la pote là, sa pote. J'ai la mécanicienne, lol. Sa pote. Comment on appelle ça? Chimiste là, ou je sais plus quoi là, pour qu'elle lui améliore son truc. Nickel. Après Rip Céleste. Ok, merci Amos. Merci beaucoup pour. Oh, comme elle est classe, notre petite Céleste là. C'est notre Lara Croft à nous en fait, quand on y pense. Bon, c'est bien comme ça. Manger. Ah, la merde, on a la ligne de la bouffe gâtée là-dedans. Voilà, hop. On va se cuisiner un truc. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Une petite salade. Voilà, la petite salade. Oh, coucou ma chana! Coucou ma poulette, tu vas bien? J'ai loupé quoi? T'as loupé une céleste complètement défoncée. Oui, on avait une céleste qui était comment? Défoncé il y a quelques minutes, c'était drôle. Un peu flippant au départ. Oui, j'étais dans le cratère. Et coucou mon petit kill name. Hop, j'ai un peu la pluie un peu plus vite, hein. Voilà. On se mange une petite. Oh, nickel. La salade du jardin, excellent. Excellente, voilà, hop. Là vous avez Céleste. La salade du jardin. Désolé, je voulais imiter Pacific Sound. Faut arrêter avec ça, c'était pas drôle. C'était pas drôle. Hop.
Ça c'est fait. Voilà notre petit truc ici. Et donc on va réinviter notre amie. Hop. Elle est où? Elle est tout près que... Attendez, elle est tout près? Provoquer. C'est quoi ce merdier? Qu'est-ce que je peux faire avec cette plante? Pardon. Enfin, un peu bizarre, hein, mais on est d'accord, mais... Ok, ah non, elle est là. Elle est là, notre pote. Elle est là, notre pote. Elle est là, elle est là. Elle est là. Donc... pom pom pom, demande de... Nécessite des données sur le filtre de l'infection. Oh, on passe notre vie à voyager, dis donc ici. Vous savez quoi? Il va venir avec moi. Ça ira plus vite, écoutez. Tant pis. Hein. Ben, tu vas voir, Shana, tu vas voir ma poulette. Le coucou Guillaumus, là un pénis, ben oui, c'est un peu bizarre, mais on est bien d'accord, enfin, un tout petit peu. Je vais manger de la pizza au chocolat, c'est écœurant. Oh, mais j'avais jamais mangé, moi qui l'aime, j'aime bien, c'est trop bon. Comment tu la traînes de force avec toi? Bah écoute Noah, si elle veut, si on veut sauver le monde, il faut bien quelques dommages collatéraux, hein. C'est comme ça. Hop, donc nous on va rouvrir la porte. J'espère qu'elle nous suit, voilà. Et donc on va aller analyser les machins. Ça en nécessite 15, tu déconnes? Oh le merdier! Bah écoutez... Ok. Et hop, j'ai encore scanné ici. Voilà. Encore? Ah voilà. Et si, prends-le. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Discuter, ok, elle veut discuter avec nous, super. Et donc, rassembler les données, ok. Oh là, on a une vraie agent secrète, là, les amis. Oh là là, je suis trop contente. Oula, désolé, ça bouge. La caméra bouge. Est assez sensible. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Bonne nuit, Guillaume. Bon, je pense qu'on avance un petit peu plus vite. Peut-être avoir des bonus là, je regarde. Oh, on a 2000 points. L'épisode de la main de sport effectuée par cette a été fructueuse. Apporter ses données de profil au scientifique de Strangerville. Ok.
Notre petite pote, elle est où, notre pote? Elle est restée à l'étage? Elle est où? Pas me dire qu'elle s'est tirée quand même. Pas me dire qu'elle s'est tirée. J'espère qu'elle n'est pas passée par là. Parce que sinon on n'est pas dans la merde, hein. Ah bah oui, non, elle s'est tirée. Elle fait déjà autre chose. Mais genre moi j'ai que ça à foutre moi? Que de passer ma vie à t'attendre. Ok, c'est super rassurant en fait. C'est super rassurant. Bon. Du coup. Ah non, bon, on va appeler lui. On va appeler lui. On a Louis Dumont, la machin Dumont. Ah, nos amis. Ah, voilà. Et tu viens, mon pote. Hein. Moi, j'ai besoin de tes connaissances. Hein. Parce que moi, je sais pas faire un filtre à truc. Hein. Moi, je suis pas MacGyver. Hein. Ah, nice. 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 Donc. Allez. En fait, j'aurais dû déjà faire se téléporter, mais c'est pas grave. Tu peux me le faire? Waouh, vous avez réussi. Laissez-moi analyser ces données sur le profil d'infection. Je vous enverrai bientôt un filtre par courrier. Continuez vos recherches et vous trouvez peut-être un vaccin pour cette infection. Finalement. Ok. Bah toi au moins t'as l'air plus malin que l'autre là qui est en oh, je me suis occupé. Et merde. Ok. Donc en gros, ce que c'est que le mec, il a fait le truc en parlant avec moi et il l'a envoyé par télépathie à ma boîte aux lettres. D'accord, je te remercie. Tu sais pas juste me le donner en main propre, là c'était trop... J'adore ce style de Louis. Je dis, il est pas du tout rancunière. Non, moi de base, en vrai, je suis pas rancunière. Ça dépend ce qu'on m'a fait. Ça dépend ce qu'on m'a fait, qui me l'a fait et comment il me l'a fait. dit comme ça, la poste est... Mais oui, complètement normal. Par télépathie. Il y a plein de choses. C'est magique. C'est magique. Donc. Prendre le courrier. Donc, on a associé la commission de protection. Bah écoutez, ah, elle est crevée. Ah ben, tu m'étonnes. Donc, on va dormir, au pire, on ira durant la nuit. Oh, et si je coupais le live ici? Ça serait méchant. Ça serait méchant. Je le commence avec un croquis de Céleste. Enfin, j'espère réussir. Ah, excellent. Excellent, merci Harry, c'est très gentil. Bon. Je suis en train de me dire, est-ce que si je coupais le live, ça vous ferait un petit épisode à regarder, pas trop long, bien sympathique. Je suis en train de me dire, fais Céleste en mode toute joyeuse, en mode toute... Bon allez, non, on va enfiler la combinaison, on va aller un peu voir ce qui se passe. Voilà,
Hop. Voilà, nickel. On ira de nuit. Hop. Prendre un... Ouais. Ah ouais. Ah non, non, non. Mais écoute, non, tu vas d'abord faire un... On en parle de la plante chelou là qui sort de mon évier? Et si je m'assieds, je risque d'en prendre une dans le cul par hasard. Enfin, j'aimerais bien être sûre. Parce que je veux bien me faire masser, mais pas par ça, si c'est possible. Dans la douche, il n'y en a pas, donc ça va. Je vais pas pratiquer la sodomie avec une plante, voilà. Bon. Vous voyez le respect? Ben, il est là! Il est là! Je ne le vois même plus là, il est tombé chez le voisin là! J'ai pas rêvé pour la plante là, mais non! T'as pas rêvé! T'as pas rêvé, Amos! T'as pas rêvé! Peur sur 20, les amis! On est sur. Elle est en mode coucou! Tu veux voir mes pétales? Ouais! Je suis un peu en mode peur sur 20 là. Mais heureusement que c'est pas les chiottes, hein, j'ai envie de dire. Voilà. D'ailleurs, ils ont peut-être affaissé ton frigo. Non, parce qu'en fait, j'ai pas mis de fruits dedans. C'est si je prenais un fruit dedans et que je le mettais dedans. Que là, il y aura un souci. Bon. Hop. Un petit peu jeux vidéo, voilà. Je vois My Sims Go. Bon, hop, c'est assez. On va retourner. Hop, on va aller au fameux truc. On va y aller seul. J'y pense. Eh, les gars, j'y pense. J'ai mon... Ah non, non, je pensais, non, j'ai pas ça. Je pensais, j'avais oublié, mais je pensais que j'avais un gun. Vous voyez comment on fait dans la carrière scientifique, mais non. Parce que j'ai pas fait la carrière scientifique avec Céleste. C'était avec Miku que je l'avais fait, j'avais oublié. Peut-être qu'il faut que je fasse ça avec Céleste après, tiens. Pour être cool. J'ai pas tout suivi, t'as déjà été possédé, sinon... Ouais, j'étais possédé une fois qu'il n'aime. Une fois. Donc... Voilà, j'ai la combi. Alors voici le look printemps-été 2019. Le jaune est super tendance. Regardez, c'est trop beau. Alors là, vous avez les petits trucs là qui donnent un magnifique effet à vos seins. Magnifique, surtout si vous allaitez. Voilà, c'est super prêt. N'importe quoi. Bon, je vous dis arrêtez avec ça tout de suite. C'était glauque. On y va. Ici. Maintenant, je pense que je peux aller ici. Allez. On y est. Si je descends... On a ici. Oh là. Ce qui implique que durant le live de crime,
J'avais bien vu ce que j'avais vu. Et comment vous dire que je ne suis pas rassurée? What? C'est quoi ça? Il y a des plantes de toutes les formes, regardez toutes les couleurs. Oh, elles ont d'autres couleurs. Même en combi, elle se dandine du cul, quoi. Attendez, je tire un petit screen, écoutez, pour la postérité, hein. Merci pour le follow. Elle te ressemble, mais ta mère, kill name. Ah oui, ça, Adeline, ça c'est du piscine de compète, alors on est d'accord. C'est du piscine de compète. Et merci à Vicky pour son follow. Bienvenue à toi, Vicky. Pose-toi, détends-toi. On est là pour te mettre bien. Enfin, je suis là pour te mettre bien. Tu veux être ma copine? J'ai peur qu'elle se fasse. Attendez. J'ai un. Je crois qu'elle lui parle. Eh ben jamais j'aurais cru taper la cause avec un végétal géant. Hein. Un végétal ou un végétal? Un végétal, je pense, je sais plus, voilà. Ah, elle bavait tout, sa mère! Oh bon. Elle est pas très causante, hein. Autant se le dire, elle est pas très causante. Je vais pas la provoquer. J'ai pas envie de la provoquer. Donc, nécessite un troisième légume, la nidure chimique pour fabriquer le vaccin afin de vacciner. De recruter des alliés pour combattre la plante mère. Ok. Hop, si je peux peut-être scanner ici, on va scanner. On va carrément scanner la zone ici où on est, écoutez. Là, l'espoir, on va en avoir, là. Ah ok, en fait elle a éclaté l'étage inférieur en fait. Ici, est-ce que je peux faire peut-être un truc? Créer un vaccin. Amas de sport, 5 amas de sport et un fruit bizarre. Ok. Je sais où on peut trouver un fruit bizarre. Donc, on va aller le chercher. Hop, allez. Je sais pas si vous vous souvenez. Tout à l'heure, on avait fait des papouilles à une plante. J'allais voir. Moi, je dis question bête, mais en vrai, j'ai pas compris le principe de ce DLC. J'hésite à le prendre. Donc, Vicky, en fait, ici, en fait, là, avec ce que tu viens de voir, tu viens de te spoiler, en fait, toute l'intrigue. en gros, Enfin. Tu enquêtes en fait sur des faits bizarres qui se passent à Strangerville. En gros, voilà. Voilà. T'as des gens qui sont un peu bizarres et on sait pas trop pourquoi. Voilà. Elle a pas eu son 4 heures effectivement, Amos. Enfin. Qu'est-ce qui se passe? Arrêtez l'affection. Vous avez découvert la source d'affection qui ronge Strangerville, une énorme plante mère dans le sous-sol, le laboratoire, le seul moyen pour
ce que c'est dû redevienne normal et de vaincre l'ignoble créature. Trouver un remède pour l'infection et consulter une équipe. On va faire ça. Mais ils ont l'air normaux, ça va? Sa maman en kilt! Sa maman en kilt! Bah écoutez, récolter la fouille bizarre. Je l'ai. Et au niveau de ma santé, ouais. Oh, regardez-moi cette ambiance! Oh, c'est ouf! Oh! Il y a de l'orage et tout! C'est un cumulonimbus. Ah oui, complètement. Là, t'as tous les. Oui. Je trouve que le pack est bien travaillé. Les décors sont. Mais complètement Noah. Tonate, tu veux dire. Oui, coucou Mister Sage. J'ai pas vu que t'étais là. Coucou Lucie. Maintenant, Vicky, si t'aimais tout ce qui est enquête, voilà. Moi, j'aime bien en tout cas. Mais puis ça te donne un autre objectif dans les Sims que celui de simplement de faire vivre ton Sims, ça te donne un objectif en plus, donc moi je trouve ça cool. Maintenant voilà, ça dépend un petit peu si t'aimes bien ça ou pas. Maintenant oui, c'est vrai que là, dans ce live-ci, tu te spoiles tout le truc. Là c'était vraiment le live du spoil. Du coup donc voilà. Maintenant, tu sais que, enfin, maintenant si toi-même tu veux refaire l'enquête, vivre ça, ben, ne tient qu'à toi. Hop. Bon, on va essayer de voir un peu si on peut faire ce truc-là. Ah, oh, qu'il aime, faudra que tu me dises où comment tu écris comme ça. Je veux. Oh! Oh! Vintage et Elysium lance un raid avec 4 personnes. Merci beaucoup! Bonjour! Je crois que je vais acheter le pack, tu me donnes 3. Mais il est cool ce pack, franchement, j'en. Enfin. Franchement, je remercie encore Yves de me l'avoir donné parce que là, ils sont. Enfin, je le trouve trop cool. Moi, j'ai vraiment bien aimé, quoi. Enfin, j'aime vraiment bien ce qu'il propose. En tout cas, merci Vintage Elysium pour ton raid et bienvenue à ces viewers. Bienvenue à vous. Candy, écoute, il paraît que j'ai un peu autre chose à foutre Candy que d'aller boire des margaritas. Oh là. Oh, il y a les plantes Penny qui se sont ouvertes. Comment vous dire que je suis pas rassurée là. Ah, peut-être que je peux le faire ici mon vaccin. Ah voilà. Se téléporter ici, comme on est. Voilà, hop. Sinon, une fois l'affection arrêtée et tout le monde est redonné mal, la Stranger reste à Strangerville. Je pense qu'il y aura toujours des gens peut-être un peu. Enfin. Je sais pas si t'as encore des gens bizarres. J'hésitais qu'un objet et tout, c'est pas trop mon délire, mais le gameplay est cool. Le gameplay est complètement cool, Léa. Complètement. Bon, et pour ceux qui n'ont, c'est pas un mode, hein. C'est quand vous avez la compétence bien-être assez haut, c'est assez pratique. Il y a un tremblement de terre. Je sais pas si vous avez vu, mais le sol tremblait. Regardez, non, il tremble. Oh putain. Coucou Akio. Si, il tremble. Ah si, moi j'ai vu une image qui tremblait. C'est les éclairs, ok. Parce que moi ça fait flipper, parce que si jamais il tremble, c'est peut-être que la plante, elle prend de la place, tu vois. Et j'ai pas envie qu'elle soit en mode « Coucou, je vais bouffer tout le monde, commençant par toi !» Bon, voilà, un peu plus vite. Tu m'as convaincu dès que j'ai le temps, je l'achète. Bah franchement, Léa, c'est un récit fabriqué un vaccin expérimental. Testez-le sur des Sims possédés pour découvrir comment fabriquer le véritable vaccin. Ok, eh bien, écoute,
Écoutez, allez-y, moi je vous propose qu'on fasse dans le prochain épisode live sur Strangerville. Oh, Naila qui arrive pile quand je vais commencer, quand je vais finir le live. Coucou Naila, désolée Naila, c'était vraiment un petit live que je fais. Je pense qu'on fera ça dans le prochain épisode, donc de tester les... C'est pas grave, t'inquiète pas Naila, reste ce sadisme. Non, vous inquiétez pas. Moi, ce que je peux peut-être vous proposer de faire, donc je vais voir pour sortir la rediff assez rapidement, et peut-être vous mettre un deuxième épisode cette semaine de Welcome in Strangerville, histoire qu'on finisse la série, et donc peut-être mettre, du coup, peut-être que vous auriez pas de 100 bébés challenge cette semaine, je sais pas ce que vous en pensez, que je sortirai cet épisode-ci vendredi, et le prochain peut-être, ouais non. Parce que mercredi, je réfléchis, parce que mercredi, vous avez... Je réfléchis comment je fais mon planning, en fait. Je peux peut-être vous mettre la rediff mercredi, déplacer Victoria à vendredi. Et... Ouais, je sais pas. Je ne sais point. Parce que je sais pas si j'aurai le temps de live entre-temps. Enfin si, de live oui, mais par rapport au rediff et tout ça, si ça se mettra bien. Donc du coup, oui, non. Bah écoutez, la semaine prochaine, on essaiera de se faire un truc. J'irai voir la rediff, ça m'arrange. si c'est pas pour longtemps. Ah, Killname qui perd déjà le lien uTip. Donc bah écoutez, je vais déjà sauvegarder. Dans tous les cas, j'espère que ce petit live vous aura plu. J'essaierai de faire ça, de refaire un live sur le jeu assez vite, du moins quand la rediff sera sortie. J'essaierai de faire un live assez vite. Donc voilà, coucou Emma Busque, bienvenue à toi. Bah voilà, en tout cas merci à tous d'être venus sur ce petit live, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, ben, pour ceux qui ont regardé la rediff, le petit pouce bleu, le petit commentaire et le petit soutien sur YouTube, c'est super important si vous voulez que je puisse continuer à upgrader le PC, à proposer toujours du meilleur contenu. On a déjà passé du 60 fps, ça c'est génial, et des meilleures textures en jeu, donc ça c'est cool, ça je suis très contente. Et je vais voir un peu qui je pourrais raid ce soir. Je vais raid qui. Je sais qui je vais raid. Je vais raid mon ami. On va raid de mon ami Crémounette. Ouais, on va raid Crémounette. Ouais. Ça fait. La fois passée, cette année, on va un petit peu changer. Hop. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme phrase On va mettre ça. Les sushis, salut la belle blonde avec un petit cœur. Voilà, vous mettrez ça comme phrase. Hops. Voilà. Et donc, il faut le mettre sur son chat, bien sûr. Hop, slash red. Cri. Mou. Net. Hop. Et voilà. Ah non. Ah, pourquoi j'ai pas pris le slash, mais non, dis-tu. Ah voilà, hop, maintenant c'est bon. Donc voilà, vous cliquez au-dessus, donc au-dessus du chat, vous avez le truc pour le raid, vous cliquez dessus, moi je vais lancer le raid maintenant. Hop. N'hésitez pas à rejoindre, ça peut être cool parce qu'en plus ça fait du Sims 4, donc voilà, pour ceux qui désirent, c'est du Sims 4, c'est de la qualité. Elle fait un survival challenge, mais version 25 en fait, hop, donc voilà, hop. Voilà. Ben voilà, donc des gros bisous, merci à tous. À la prochaine, ciao !